Martin qui va venir nous rejoindre. On va repasser quelque chose, en fait. C'était ses vœux à Mediapart, c'était ses vœux vidéo pour l'année 2013. Et Édouard Martin avait pris la parole sur Mediapart pour adresser ses vœux. Donc c'était où est-ce qu'on les regarde ? C'était il y a un an et demi, deux ans. Et donc on va les réécouter. Et il rappelait, il disait, et le souvenir de Jean Jaurès, ils ont perdu le souvenir de Jean Jaurès. Et puis ensuite, il va être là en face de vous, Pierre-Rosan Vallon. Je profite aussi de l'instant pour faire référence à Jean Jaurès, puisque les socialistes sont au pouvoir, et de manière à ne pas écorcher sa pensée ni ses propos, je vous propose de lire un court passage qu'il a tenu lors de la grève des mineurs de Carmaux. Donc Jean Jaurès qui s'exprime. Et il s'exprimait contre la bourgeoisie qui essayait de faire taire les luttes des ouvriers, la lutte des prolétaires. Et vous vous étonnez de la véhémence de nos paroles, de la force de nos accusations. Mais songez donc que nous parlons au nom d'un siècle de silence. Songez donc qu'il y a 100 ans, il y avait dans ces ateliers, dans ces mines, des hommes qui souffraient, qui mouraient sans avoir le droit d'ouvrir la bouche et de laisser passer, en guise de protestation, même de leur souffle de misère, ils se taisaient. Puis, un commencement de liberté républicaine est venu. Alors, nous parlons pour eux. Et tous les gémissements étouffés et toutes les révoltes muettes qui ont crié tout bas dans leur poitrine, comprimées, vibrent en nous. Et éclate par nous en un cri de colère qui a trop attendu et que vous ne comprimerez pas toujours. Jean Jaurès. Donc, si j'avais un vœu à émettre pour l'année 2013, c'est de dire à vous, mes chers citoyens, mes chers concitoyens, ne vous taisez pas, combattez, luttez, ne laissez pas faire cette classe dominante qui essaye de nous mettre à terre. Eh bien, avec nous, nous, ensemble, nous allons montrer qu'un autre modèle est possible, qu'une autre vie est possible et que la finance internationale ne passera pas au détriment de l'intérêt des citoyens que nous sommes. Voilà. Bonsoir Édouard Martin. Merci d'être avec nous pour questionner, interpeller Pierre-Rosan Vallon. Mais ces paroles, vous les avez prononcées dans quel contexte ? Ben, c'était en décembre 2012, un mois après l'accord de Matignon, signé entre Jean-Marc Ayrault et Mittal, qui signifiait la fin des hauts fourneaux, donc c'est-à-dire la fin de toute une histoire, et pas simplement l'histoire industrielle, la fin d'une histoire ouvrière qui a porté justement haut les couleurs industrielles de la France pendant plus de 100 ans. Et donc derrière les hauts fourneaux qui s'éteignaient, c'était aussi la mémoire ouvrière qu'on écrasait. Et là, nous étions plus qu'en colère, nous étions amers, nous étions révoltés parce que le message qui était le nôtre, il était fondé. On peut pas faire le débat, mais je pense qu'effectivement, mais ça rejoint un peu le débat que vous aviez tout à l'heure, je pense que la classe politique qui est censée représenter et défendre l'intérêt général, c'est coucher devant la classe financière. Et alors, entre-temps, vous êtes devenu vous-même un représentant, puisqu'en 2014, vous avez été élu député européen sous les couleurs du Parti socialiste. Quel est votre sentiment quand vous avez entendu là ce qu'on vient de faire pendant 45 minutes avec Pierre-Rosan Vallon, où il nous a dit, entre autres choses, il faut remonter au fameux tournant de la rigueur, on a appelé ça autrement, la conversion de la gauche au réalisme économique, ces années 83-84. Et si j'ai bien entendu ce que nous a dit Pierre-Rosan Vallon, c'est que lui, il l'appelait de ses voeux, ce réalisme économique, mais il dit la social-démocratie n'a pas su le remplir. C'est-à-dire qu'elle s'est convertie au réalisme, mais après, remplir ça d'un nouveau réformisme, d'un réformisme applicable, visiblement, là, ça a péché. Vous partagez cette analyse ? Le mot réformisme, on y viendra peut-être plus tard. Tout de suite, si vous voulez. Mais je trouve que ce mot-là est complètement galvaudé, quoi, parce qu'effectivement, le grand tournant auquel vous faites référence, et j'adhère à ce que vous dites, mais avec le recul. Au départ, en 1983, j'avais à peine 20 ans, donc je n'avais pas cette lecture politique que je peux avoir aujourd'hui avec le recul, et aussi grâce à des personnages comme vous. Je pense que là, il y a eu le tournant de la rigueur, mais il y a eu aussi un tournant qui aujourd'hui est très très bien ancré dans la société économique internationale, c'est le poids du monde de la finance. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là,
le peu de pouvoir qu'avait encore le politique, il l'a dissolu aux mains du monde de la finance. Et je vais vous citer un exemple. Actuellement, nous avons un débat assez farouche au niveau du Parlement européen sur le fameux plan Juncker, comment relancer l'économie. Eh bien, tous les débats, tous, quels qu'ils soient, tournent autour du capital risque, comment en minore, comment on fait en sorte que les investisseurs d'aujourd'hui et les investisseurs de demain ne prennent plus aucun risque. Et c'est quoi le tournant de 83 ? C'est qu'effectivement, le risque a été dilué vers le monde du travail, vers les plus précaires, vers la société civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui faisait la différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'un capitaliste, un entrepreneur, avait cette part de risque, effectivement. C'est lui qui prenait seul le risque parce qu'il engageait ses propres fonds. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est que le capitalisme ne veut plus prendre aucun risque et c'est effectivement validé par des choix politiques et notamment, on pourra en parler, les choix politiques et économiques de la France, mais les choix économiques aussi de l'Europe où tout est pensé, orchestré autour de comment on peut rassurer le monde de la finance, le monde de l'entreprise. Et c'est ça qui est terrible. Et ce cri de colère que je lançais au mois de décembre 2012, c'est justement là. Et je pense que là où je vous rejoins, c'est qu'il faut repenser la politique. Il faut repenser le modèle politique. Et il faut effectivement réfléchir à comment, ce qui devrait être quelque chose de complètement normal, on redonne la parole au peuple. Et comment on redonne la parole à la société civile, comment on l'interroge, comment on la fait participer avant toute prise de décision. Et vous l'avez dit très justement tout à l'heure, aujourd'hui, c'est quoi la démocratie dans nos pays? C'est tous les 5 ans, on va mettre un bulletin dans l'urne. On nous demande notre avis, on nous interroge sur, voilà, quel est le choix que vous voulez faire. Une fois qu'on a mis notre bulletin dans l'urne, messieurs, au revoir, rendez-vous dans 5 ans. Et que se passe-t-il pendant 5 ans? Rien. Au niveau démocratique, rien. C'est ce que Rousseau appelait le souverain d'un jour. Voilà, voilà. Exactement. Eh bien, il faut faire. Soyons les souverains de toujours. Et avant que Rosan Vallon réagisse peut-être et que le débat continue, y compris sur l'Europe, hein, avec ce symbole de Juncker, qui est l'ancien Premier ministre luxembourgeois, qui a fait de son pays un paradis fiscal, et qui a joué de cela, hein, et qui est lui-même symbolique, hein, en tant que président aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Ma question, par rapport à... Vous avez fait le saut de la représentation. Quand nous nous voyons en décembre 2012, je rappelle donc que c'est filmé dans, au pied du haut fourneau. Au pied du haut fourneau, hein, nous allons vous voir, vous nous faites la visite, exact. En nous rappelant d'ailleurs qu'aucun politique n'est venu faire la visite. C'était un grand honneur pour nous. Et puis pour nous, c'était aussi une très belle rencontre, parce que je rappelle, je voudrais le souligner dans ces temps de xénophobie, Édouard Martin est à l'image de la classe ouvrière française qui est faite du monde. Il est d'abord... né en Espagne, il a grandi d'abord en Andalousie, Eduardo. Voilà, je dis ça parce que, voilà, ne jamais oublier que nous sommes une Amérique de l'Europe. Le Pen va dire encore oui, un étranger. Voilà, mais je veux le rappeler parce que c'est nous et qu'on l'oublie. C'est vrai. Voilà. Et alors, donc nous faisons cela en fin 2012. Un an, c'est exactement en décembre 2013 que vous annoncez que vous allez être à la campagne européenne, non pas en tant que vous n'adhérez pas au Parti Socialiste, mais en tête de liste dans le Grand Est. Hein, et vous êtes élu au Parlement européen. Donc vous faites le choix. Vous ne dites pas, tiens, je vais être du côté du Parlement des invisibles, je vais être dans la visibilité au Parlement. Un an après, c'est quoi le bilan? Pour revenir quand même là-dessus, pourquoi le choix de ce saut? C'est pas venu comme ça. Un matin, je me suis réveillé, je dis, banco, j'y vais. C'est qu'à travers la lutte de Florange, que nous menions, c'est justement... On avait la prétention, j'espère que c'est bien perçu, enfin en tout cas ça a été bien compris, nous n'avions pas simplement l'idée de défendre une usine et des emplois, puisqu'il y avait une fermeture qui était annoncée, même si c'est ça qui a déclenché le mouvement, nous étions plus que ça. Nous étions là pour défendre un modèle de société, un choix de société, un choix économique. Pourquoi? Parce que Mittal, qui est quand même le patron d'une méga multinationale, riche à milliards, estimait que ce site n'était pas suffisamment rentable, donc il voulait fermer pour rapatrier cette production dans un autre site beaucoup plus rentable. Donc c'était une histoire, c'est le monde d'aujourd'hui. Ça n'est même plus... à l'époque, lorsqu'on travaillait dans une entreprise et on gagnait un peu d'argent, on était quasiment sûr qu'on allait continuer à travailler. Aujourd'hui, ça n'est plus une garantie. Donc, on avait cette prétention de peser aussi sur les choix
politique, mais politique avec un P majuscule au sens noble du terme, sans parti pris. C'est de dire, est-ce que... Et on a interrogé les élus. On a interrogé Nicolas Sarkozy, parce que je vous rappelle quand même que l'annonce de la fermeture a été prononcée en juillet 2011. C'était Nicolas Sarkozy. C'est une bataille qui commence sous la droite. Exactement. Le président de la République de l'époque. Après, il y a eu François Hollande. Et les deux présidents qui se sont succédés, on leur a posé exactement la même question. Vous, en tant que président de la République, donc garant de l'intérêt général, pensez-vous normal que les intérêts d'une multinationale l'emportent sur les intérêts d'un pays? Et donc, c'est fort de ce constat où le syndicaliste que j'étais, je me suis rendu compte que l'action syndicale s'arrêtait aux portes de l'entreprise. Je me suis dit, si on veut essayer de changer ce monde, un tant soit peu, eh bien, prenons notre bâton de pèlerin et allons-y. Bon, alors, bilan, un an après, j'ai la prétention de ne pas être un politique hors sol. Pourquoi? Justement, dans ce souci de comment on réintroduit un peu plus de démocratie participative de la part des acteurs locaux, j'ai été nommé rapporteur depuis le mois de novembre dernier, puisque j'ai frappé à toutes les portes du Parlement européen, parce que je ne voulais pas être uniquement quelqu'un qui vote lorsqu'on demande de voter, lever la main. Je veux être un acteur, justement, de cette transformation économique et sociale. Et donc, j'ai été nommé, non sans mal, rapporteur d'un rapport d'initiative qui s'appelle « Le développement durable de la production des métaux de base ». Certains, beaucoup de mes collègues, font des rapports depuis leur bureau bruxellois. Ils invitent des experts, tout le monde est expert aujourd'hui, hein, donc. Et puis, ils les interrogent, ils regardent, ils lisent, etc. Et puis, ils font un rapport et ils proposent un projet pour la société, quelle qu'elle soit, que ce soit la société civile ou économique. Moi, cette expérience, justement, du monde ouvrier, cette expérience syndicale, où je me considérais comme un citoyen, et j'avais envie qu'on vienne me demander mon avis, mais je pense que c'est le cas de tous les citoyens de cette terre, eh bien, j'ai décidé de faire autrement. Je fais le tour de l'ensemble des pays européens. Enfin, pas tous, parce que le temps manque, mais 9 pays européens, et j'ai ciblé des industries phares, que ce soit la production de zinc, d'acier, d'aluminium, etc., etc. Et que fais-je? Ben, je vais écouter les acteurs locaux, les directeurs d'entreprise, les organisations syndicales, les élus locaux, parce que bien souvent, on leur demande pas leur avis non plus, et les ONG. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est fini le temps de l'industrie de papa, ou sous prétexte que telle entreprise pouvait créer X milliers d'emplois, la société civile était prête à accepter tout et n'importe quoi, surtout le n'importe quoi, et notamment la pollution, leur propre pollution. Parce que vous êtes salarié, mais vous êtes souvent riverain, vous êtes citoyen. Et on a un cas d'école qui se passe en Italie, dans le sud de l'Italie, à Tarente, où j'ai été, où on a le plus gros site de production d'acier en Europe, le site d'Ilva, où effectivement, vous avez à Tarente une ville de 50 000 habitants qui est vraiment scindée en deux. Il y a ceux qui disent qu'il faut maintenir l'usine parce qu'il y a 20 000 emplois derrière, puis vous avez toute l'autre partie de la ville qui dit qu'il faut fermer ce site parce que ce site est polluant, ce site est mortel. Il a déjà provoqué la mort de 246 personnes à cause des dioxines de carbone, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, vous voyez que l'organisation de la société civile est en marche. Et nous avons l'obligation d'être à leur écoute. D'ailleurs, nous sommes élus pour ça. Alors là, j'aimerais vraiment avoir la réaction de Pierre-Rosa Vallon sur les deux choses. C'est-à-dire que le côté espoir que vous venez de dire, encore justement en l'action de la société civile quand elle saute le pas du politique, mais aussi ce qui vous est arrivé à Florange. Parce que vu de loin, de mon point de vue, sans être un spécialiste du dossier, on se dit que c'est l'accablement caricatural de l'impuissance du politique. De la trouille. Ou de la trouille, ou de la démission, je ne sais pas quel mot il faut employer, mais un président en exercice vient, fait des promesses, un autre vient, il est élu, il fait des promesses, un ministre de l'économie tombe, comme on dit aussi, sur ce dossier. Enfin, on a l'impression qu'il y a un enchaînement comme ça de démission face au monstre ArcelorMittal. Quelle est votre réaction, Pierre-Audon Vallon? Je crois que ce qui s'est passé à Florange a illustré de façon vraiment tragique cette séparation totale dans la politique entre le moment des promesses et le moment de la réalité. Ces deux choses, ces deux discours qui ne correspondent absolument pas. Chacun a un temps, mais il n'y a aucune cohérence entre les deux. Ce qui fait penser qu'il faut peut-être aussi repenser la notion même de campagne électorale.
Parce que les campagnes électorales, telles qu'elles sont pensées, elles sont structurées par la concurrence. Et la concurrence politique, elle fonctionne à l'inverse de la concurrence économique. Le propre de la concurrence économique, c'est normalement de faire baisser les prix. La concurrence politique, elle les augmente. Je peux me permettre, je suis désolé de vous interrompre, parce que là-dessus, on n'est pas d'accord. Sur cette campagne-là, en tout cas de cette séquence-là, juste pour que vous voyez ça en perspective, nous avions conscience que l'annonce a été faite à une période préélectorale et on avait conscience qu'ils allaient tous se bousculer à Florange parce qu'il était de bon ton pour gagner des voix, de se faire photographier en serrant des mains des ouvriers en lutte. Ce qui était fait. Ou en montant sur les camionnettes. Donc Florange était venu le lourde de la campagne électorale, mais... Vous savez, le monde ouvrier a aussi réfléchi et nous le savions, ça. C'est pour ça que nous avions préparé un préaccord, une charte, où on a demandé à chaque candidat de la signer s'il partageait notre analyse. Et je vais vous la synthétiser, ça va aller très vite. C'est de dire, est-ce que oui ou non pour vous, si demain vous êtes élu président de la République, est-ce que la production d'acier est stratégique pour la France? Oui ou non? Répondez à cette question. Mmh. Et si c'est oui, parce que tout le monde disait, bien sûr, mais comment non? Il ne veut pas dire non. Alors, si c'est oui, est-ce que vous allez vous donner les moyens d'empêcher M. Mittal de fermer l'usine? Donc, vous voyez, on a été aussi acteurs de cette campagne. On ne s'est pas simplement laissé photographier avec des accolades, on les a acculés à se positionner sur un dossier. Non, mais ça, c'est très bien de les avoir acculés à se positionner, mais c'était acculé par les promesses. Je pense qu'en règle générale... Ils ont signé, quand même. Oui, mais en règle générale, il serait pour la démocratie fondamentale que ce ne soient pas les partis politiques qui soient les organisateurs ou les seuls organisateurs des campagnes politiques. Il faut trouver les moyens à travers les médias, à travers des nouveaux types d'organismes démocratiques, que les campagnes politiques, l'évaluation des politiques passent de plus en plus par des organismes citoyens. Sinon, les élections, c'est une machine à produire des illusions, des désenchantements. Et c'est une machine à produire du populisme. C'est une machine à produire de la démission. Donc je crois que là, il faut vraiment revenir en arrière. Mais il y a une chose que vous avez dit qui me paraît importante. Sur la financiarisation de l'économie. Vous avez beaucoup insisté sur ce point. Il faut voir que la France a été championne de la financiarisation de l'économie et de la libéralisation financière au début des années 1990, après le gouvernement Rocard. Et que celui qui était le maître d'œuvre de cette ouverture, c'est le directeur de cabinet de Bérégovoy, qui était Jean-Charles Naouri. Les Américains eux-mêmes étaient stupéfaits. Qui est devenu un banquier lui-même. Le propriétaire de casino. De casino, plutôt. C'est une grosse tête d'œuf, tout à fait à la française, hein, agrégé de maths, inspecteur des finances, polytechnicien, etc., etc. Et il était typique, justement, pour moi, de ce qui était, en quelque sorte, la dérive du réalisme politique. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'avait plus foi en rien, seulement une chose, aller de l'avant et étonner. Et donc, il a considéré comme une espèce de mission extraordinaire de faire, au temps où Bérégovoy était ministre des Finances, il a forcé la main à Bérégovoy en permanence, et il y a eu une thèse à l'université Harvard sur cette histoire-là et qui montre la centralité que la France a jouée là-dedans. Et cette centralité, elle est très intéressante justement parce que c'est une centralité qui était prise par des personnes qui ne savaient plus que faire de positif, qui n'avaient plus d'utopie positive et dont la seule utopie, c'est en quelque sorte d'être félicité, d'être les champions du libéralisme. Et la verticalité de l'État français. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Et il était le directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, si ma mémoire est bonne, au moment de l'affaire Péchiné-Triangle. Oui, mais ça, de financiarisation. Mais il y a une question que je voudrais poser à Martin, c'est concernant l'Europe. Parce qu'il me semble que ce qui a caractérisé les années 90 aussi, c'est des années pendant lesquelles tout le monde sentait bien que les choses s'effilochaient dans chaque pays, qu'au fond, les grands idéaux commençaient à flotter. Et à ce moment-là, on s'est mis à faire de l'Europe, en quelque sorte, le substitut à ce qu'on n'était plus capable de réaliser ou d'imaginer en France. Donc le social piétinait, mais on disait Europe sociale. Des problèmes de politique étrangère piétinaient, on disait faisons. Et la réalité, c'est que tout ça ne pouvait pas avoir de consistance, pour une raison très simple.
c'est que le budget de l'Europe n'a pas bougé depuis la signature du traité de Rome. C'est vrai. En 60 ans, le budget européen est resté à peu près autour de la norme actuelle, 1,2% du PIB des pays européens. Alors la politique agricole commune était plus importante au début que maintenant, mais la seule politique redistributive, c'est les politiques sectorielles et régionales qui représentent 0,4% du PIB européen. Alors appliquées à des pays, à des petits pays comme la Grèce ou comme Chypre, ça fait beaucoup de ponts, de routes, etc. Mais globalement, ça veut dire que l'Europe n'a jamais été un espace vraiment de politique commune et n'a jamais été un espace politique de redistribution. Donc aujourd'hui, on en revient à ce qui est la vérité de l'Europe. On en a l'exemple type avec, la vérité, avec la Grèce. La vérité de l'Europe, c'est qu'elle a fait la monnaie unique avant de faire les structures qui aillent avec, d'où les problèmes contemporains. La vérité de l'Europe, et ça c'est positif, il y a une Europe du droit, la Cour européenne des droits de l'homme, ça marche véritablement. Et le droit est quelque chose qui est un acquis de l'Europe. Et sinon, le grand vainqueur de l'Europe, c'est le consommateur. C'est le consommateur, c'est-à-dire les politiques de libéralisation. L'Europe s'est faite non pas sur l'idée du citoyen, ben c'est ça, c'est l'accès libre, c'est le consommateur et l'individu porteur de droit. Alors l'individu porteur de droit, on ne peut que s'en féliciter, le consommateur un peu, mais ça n'est pas tout. Et vous, maintenant, vous avez fait le choix, paradoxalement, vous avez fait le choix de vous mettre sur la scène européenne à un moment où elle apparaît pour ce qu'elle est, si je puis dire, c'est-à-dire, au fond, beaucoup moins puissante qu'on ne l'imaginait. L'Europe sociale, ça n'existe pas. Parce que pour qu'il y ait du social, il faut qu'il y ait une forme de redistribution. Tous les États-nations se sont définis comme ayant pour ambition d'accroître la solidarité, de représenter un espace, en quelque sorte, d'universalisme limité. Eh bien, l'Europe n'a pas réussi cela. La seule chose qui a peut-être réussi l'Europe, c'est d'être une mondialisation réussie. C'est-à-dire qu'à sa petite échelle, l'Europe a mis du droit, a mis tout de même certains éléments de gestion qui sont très en avance par rapport à ce qui existe au niveau de l'ONU. Alors, moi, ma surprise, c'était de voir quand un leader de lutte sociale a choisi l'Europe au mauvais moment, à mon avis. À contre-temps. À contre-temps. Edouard Martin. Voilà, donc c'est pas une critique, une espèce de constat historique un peu. Mais vous avez raison, vous savez, j'ai aussi décidé de rentrer dans le syndicalisme au mauvais moment. C'était en 1986. Ouais. Nous étions encore en pleine crise des restructurations de l'acier. J'ai envie de dire, on s'engage lorsque c'est difficile. Sinon, quel est l'intérêt de s'engager? C'est justement parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'injustices et au lieu d'être là à vous plaindre dans votre coin, vous décidez d'être un acteur. Idem pour l'Europe. Et je reprends ce qu'a dit tout à l'heure Edu Plenel. C'est aussi mon histoire personnelle. Je suis né dans le sud de l'Espagne. En 1963, en plein franquisme, bon, j'ai peu de mémoire de ce que c'était l'époque, mais j'ai des mémoires de ce qu'ont vécu mes parents pendant le franquisme. Et j'ai vu l'Espagne pendant Franco, après Franco, j'ai vu l'Espagne avant son entrée dans l'Union européenne et après son entrée dans l'Union européenne. Et on ne peut pas dire que l'Europe n'a pas fonctionné à ce moment-là. Ce qui manque de plus en plus aujourd'hui dans le projet européen, c'est justement cette Europe solidaire. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la Grèce. On veut faire payer aux Grecs leurs incuries, leurs défauts, etc. Et c'est suicidaire. C'est suicidaire pour le peuple grec, mais c'est suicidaire y compris pour l'Europe. Parce que le budget européen, c'est que chacun y met de sa poche, mais on veut récupérer ce qu'on y met. Donc ça ne pourra pas marcher. Et l'idée même de la construction européenne, qui reste pour moi, malgré tous ses défauts, la plus belle idée de l'humanité. Je rappelle quand même que vous avez dit on n'a pas réussi grand-chose. Si, quand même, la paix, c'est pas rien. C'est-à-dire que l'Europe a réussi une chose, c'est qu'elle a vaincu les démons du continent. Voilà. Les démons du continent, c'était les totalitarismes. Les démons du continent, c'était la guerre avec l'Allemagne. Les démons si du on laissait faire certains, on déclarerait la guerre à l'Allemagne. Hein. Les démons du continent, c'était évidemment aussi les dictatures au sud de l'Europe. Donc l'Europe a réussi à dominer
les démons de son histoire, c'est évidemment très important. Mais maintenant, il faut tourner la page. Nous, maintenant, non, vous avez raison. Tourner la page, quand même, ça veut dire Je pense tourner la page. L'Europe va piétiner maintenant s'il n'y a pas l'idée de développer des formes d'impôts européens, s'il n'y a pas l'idée de mettre des institutions qui soient au moins en phase avec le fait qu'il y ait une monnaie commune. C'est pour ça qu'un certain nombre, nous avions proposé qu'il y ait des institutions spécifiques autour de la zone euro, des institutions proprement politiques, de discussion politique. Et le grand enjeu de l'Europe aujourd'hui, c'est en quelque sorte de nationaliser les débats européens. Il faut que les débats européens deviennent des débats intérieurs à chaque pays. C'est comme ça qu'on sent européen. On ne sent pas européen en étant un citoyen lointain de l'Europe. Mmh. On sent européen quand les débats sur l'Europe sont en quelque sorte intégrés à la vie de chaque pays. Et c'est peut-être comme ça que pourra naître ou se développer l'idée d'impôt européen qui sera la base, je dirais, d'une autre étape. Sinon, ben voilà, l'Europe aura été une étape pour, en quelque sorte, solder les malheurs de l'histoire. Et en même temps, Pierre Rosanvallon, vous publiez ce livre, La contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance, en 2006. Et je l'ai lu et je m'arrête à la date, 2006. C'est un an après le référendum sur le traité constitutionnel européen. Mmh. Quelle est votre analyse là-dessus? Parce que, quand même, souvenez-vous, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu débat. Hein. Oui. On n'a parlé que de ça. Ça a duré des mois. Oui. Le peuple a tranché. Oui. 55-45. Nous sommes en novembre 2005. Mai 2007, élection de Nicolas Sarkozy, réunion du Parlement en juin. Alors, la contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance. Je pense qu'effectivement, le débat qu'il y a eu autour de la ratification de la Constitution a été un très bon exemple de débat qui a passionné. Jamais on a vendu autant de livres sur l'Europe. C'est vraiment des livres qui ne se vendent jamais. Jamais on a vendu autant de livres sur l'Europe. Jamais. Là, c'est l'éditeur qui parle. Oui, autant de personnes ont contribué à des forums sur Internet, sont venues à des réunions. C'est un très bel exemple. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de réactions qui ont été des réactions de peur. Il y a beaucoup de réactions où se sont mêlées, en quelque sorte, la vie politique interne à chaque pays. Et personnellement, je pense que la grande tromperie de ce référendum, c'était de faire croire qu'une Europe nouvelle allait pouvoir naître. Et les gens voyaient bien que ça n'était pas le cas. Et ils n'en voulaient pas. Alors que c'était simplement, effectivement, un nouveau traité. Et quand on a transformé, quand on a, je dirais, dégradé le projet de constitution en traité de Lisbonne, la réalité, c'était le traité de Lisbonne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plus, ça n'était pas une constitution. Une fois de plus, on a voulu faire la bœuf, la grenouille plus grosse que le bœuf. On ne faisait pas l'Europe que l'on racontait. On faisait simplement un petit traité constitutionnel de plus et on a voulu ça, peindre ça comme une grande statue en carton-pâte. Mais il y a quand même, de la même manière qu'il y a eu le non-respect de promesses électorales, vous parliez de la démagogie des campagnes, mais néanmoins pour le citoyen, il se dit, tiens, ils sont engagés à ça et ça les engage. Oui. Et nous avons une succession, que ce soit la droite ou la gauche, de gens élus qui, une fois élus, disent les promesses n'engagent que ceux qui y croient et je fais ce que je veux. Et là, dans le cas du référendum, le traumatisme qui reste, c'est l'idée qu'un camp a gagné et que sa voix n'a pas été respectée. Oui, mais ça, bien sûr. Et ceux qui n'ont pas voulu du traité européen n'en ont pas voulu en disant on veut une Europe plus exigeante. Grosso modo, on veut une Europe sociale. C'était ça le thème. On ne veut pas simplement une Europe libérale, on veut une Europe sociale. Mais rien n'était en place pour que cette Europe sociale se développe. C'était ça aussi la difficulté. On espérait une Europe sociale dont on ne se donnait pas les moyens et dont on n'avait même pas le début des moyens. Donc moi, j'ai compris que ce vote, c'était davantage l'expression d'une attente, l'expression d'une attente et d'une espérance, mais qui était à la fois prématurée et qui n'avait pas les moyens de sa réalisation. Avant que Sophie Vanisch vienne prendre votre place, Édouard Matin, j'avais une question. Bon, voilà, il y a la monnaie unique, nous circulons en Europe, donc vous regardez quand même ce qui se passe en France. Bien vous sûr, êtes un élu européen de la France. Alors, voilà,
votre regard, les débats à la loi Macron, ce que nous nous sommes dit autour des atteintes aux libertés en commençant. Mon ami, c'est l'entreprise. J'adore les patrons. Enfin, je pourrais, là, je prends des clichés, mais néanmoins, nous vivons avec cela. Le 49-3 pour faire passer, vous qui êtes un élu, pour faire passer de manière autoritaire. Vous avez une liberté de parole. Déjà, les socialistes l'ont un petit peu, je l'espère, en tout cas les frondeurs. Vous n'êtes pas membre du Parti socialiste, donc quel est, voilà, par rapport à vos espérances de syndicalistes, de lutteurs, de combattants, qu'est-ce que vous auriez à dire? Il faut bien voir qu'on a fait cette émission pour s'adresser, y compris discuter vis-à-vis de tous ceux qui aujourd'hui se sentent dans un très profond désarroi, sachant que la force qui progresse, en tout cas en termes d'imaginaire politique, est inégalitaire, identitaire, autoritaire. C'est ça qui travaille notre pays aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous voudriez leur dire, vous ? Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. On parle, le débat, c'est le réformisme de gauche est-il mort ? Le réformisme, c'est quoi ? C'est de changer ou en tout cas d'améliorer le quotidien, que ce soit le quotidien économique ou social, à travers des réformes législatives. Mais aujourd'hui, le mot réformisme... je veux dire, effectivement, dans le réformisme que je vois, le réformisme est mort. On est en train, effectivement, d'adapter, d'améliorer la condition des plus nantis. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Moi, je ne l'aurais pas voté, la loi Macron, je l'ai déjà dit, je le répète. Si j'avais un message tout amical à faire passer à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est que les gens ont horreur de la copie. Si on veut gagner... Si on veut réussir encore ce quinquennat, s'il est encore possible, c'est que les socialistes doivent rester socialistes. Et s'ils essaient d'imiter les libéraux de droite, les gens préféreront l'original à la copie. Donc arrêtons de croire que l'alpha, l'oméga, c'est effectivement les réformes, tout pour le capital, tout pour le monde de l'entreprise. Moi aussi, j'aime l'entreprise. J'y ai travaillé pendant 32 ans. J'aurais aimé qu'ils disent « j'aime l'entreprise » et « j'aime surtout les ouvriers qui font marcher les entreprises ». Parce que encore aujourd'hui, on avait un débat où une commissaire disait il ne faut pas demander aux politiques de créer des emplois. Ce n'est pas les politiques qui créeront les emplois, ce sont les entreprises. Mais que nenni ! Les entreprises créeront des emplois si derrière, il y a des consommateurs. Or, aujourd'hui, l'économie, on marche sur deux jambes. Et s'il en manque une, ben on est boiteux et on tombe, ça ne marche pas. La preuve, regardez ce qui se passe. Ça ne décolle pas, ça ne démarre pas. Et puis le débat qu'il y a autour du contrat de travail, le coût du travail. On est sans arrêt en train de parler du coût du travail. On va prendre simplement un exemple d'un pays voisin, l'Espagne. Un pays que je connais très bien, c'est mon pays de naissance. L'Espagne, ça fait 25 ans que le CDI n'existe plus. Ou en tout cas, il existe à la marge. Le coût de la main-d'œuvre, on ne peut pas dire qu'il soit beaucoup plus élevé que le coût de la main-d'œuvre française. Pourtant, c'est un des pays européens qui a le plus fort taux de chômage. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est effectivement recréer les conditions de la relance économique, mais sur nos deux jambes. Quid du niveau des retraites, quid du niveau de salaire, quid effectivement de cette jeunesse qui se meurt, de cette jeunesse qui est laissée au banc de la société. Et je pense qu'un pays, qu'un continent comme l'Europe, 7 millions de chômeurs européens en moins de 25 ans, est un continent qui est malade, est un continent qui est en danger. Et la démocratie est en danger. Donc, reprenant la politique dans son sens premier du terme, les politiques sont là pour se mettre au service de ses citoyens et de tous les citoyens, pas simplement une infime partie que sont le monde de l'entreprise et le monde du capitalisme, parce qu'eux sont organisés, effectivement. Eux font du lobbying. Et à Bruxelles, il y en a un wagon. La société civile, aujourd'hui, sa faiblesse, c'est qu'elle n'arrive pas à s'organiser. Sauf que le contraire du réformisme, c'est la révolution. Et peut-être que la révolution viendra. Peut-être pas une révolution sanguinaire, mais effectivement, cette société civile qui commence à s'organiser, regardez Podemos en Espagne, cette société civile qui commence à dire, attendez, hop, ça ne se fera pas sans moi. Et effectivement, peut-être que demain, la politique se fera en dehors des partis. – Là, j'aimerais bien avoir votre opinion, Pierre Rosanvallon, parce que quand vous avez évoqué la Grèce tout à l'heure, et Pierre Rosanvallon l'avait fait avant vous avec Syriza, j'ai quand même l'impression que vous n'êtes pas d'accord sur ce point. Comment vous regardez la prise de pouvoir par Syriza en Grèce et vraiment l'annihilation du,
du vieux PASOK, du vieux Parti socialiste grec, qui a été alors rayé de la carte. Même le vieux Parti communiste a mieux résisté que lui. Mais alors, le PASOK a disparu. Et vous citez Podemos, même si les deux mouvements ne sont pas les mêmes, hein, ne sont pas identiques en Espagne. On voit bien qu'au bout de leur fusil d'occupation du champ politique, il y a aussi le PSOE, le Parti socialiste espagnol. Comment vous regardez ces mouvements? Parce que j'ai l'impression qu'Edouard Barta les regarde avec sympathie et vous, peut-être, avec plus intérêt. De scepticisme, avec intérêt. Non, je les regarde absolument pas avec critique ou scepticisme. Je les regarde comme étant les enfants de la déception, comme étant les enfants du fait que tous ces autres partis n'ont rien fait, n'ont pas réussi, ont menti. Donc il était normal et il est préférable que ce soit un parti comme Syriza qui l'ait emporté qu'un parti populiste comme on en voit monter en puissance en France, c'est sûr. Mais l'histoire, elle commence simplement à s'écrire et on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Bien sûr, il y a une partie de l'histoire qui se joue à Bruxelles, entre Européens. Et là, on peut évidemment avoir un regard critique sur la façon dont l'Allemagne a tout de même continué d'imposer une vision extrêmement rigide et brutale, c'est évident. Mais en même temps, le Syriza n'a pas encore donné les signaux montrant qu'ils étaient capables de faire vraiment bouger les choses à l'intérieur de la société grecque. En revanche, par rapport à ce que vous disiez... Edwige, je te laisse poser ta question à Pierre Rosavallon. Voilà. Et pendant ce temps, on libère Edouard Martin. Et je n'aime pas voir Sophie Vanhish debout en train de nous attendre. Donc, elle vient s'asseoir. Merci beaucoup, Edouard Martin. À bientôt. Ma question qui fera d'ailleurs transition probablement avec à la fois les travaux de Sophie Vanhish et ses propres engagements. Vous faisiez l'éloge de la société civile, de ce qui peut s'inventer dans ce bouillonnement et arrêter d'être comme des lapins dans les phares en regardant les professionnels de la politique. Vous avez répondu sur Syriza, mais de ce point de vue, Podemos est différent. Avec sa variante en plus catalane que nous avons bien traitée, Ludovic Lamant a bien raconté ça, qui est également spécifique et qui se joue dans les élections en Catalogne aujourd'hui, et Nice est né de ce mouvement, est né de cette dynamique de la société et essaye de transformer ça en un parti politique à la fois un parti, mais un peu différent, et qui a d'autres règles, et qui essaye de concourir sur le terrain des anciens partis. Je dirais, en termes d'analyse de sociologie politique, je pense qu'effectivement, Podemos est plus novateur que Syriza. Syriza est resté davantage un parti classique. Podemos a davantage la dimension mouvement social, si je puis dire, est encore plus présente. Mais évidemment, ils n'en sont pas au même, ni au même moment. Enfin, en un an, ils sont devenus la troisième force du pays. En un an, dans les dernières élections. On va voir comment les choses évoluent, mais il est certain que Podemos ressemble plus à ces mouvements sociaux qui se transforment politiquement qu'à simplement un nouveau parti politique plus classique, c'est évident. Il est presque 22h, Edoui, et c'est une honte parce que je n'ai pas encore parlé de l'offre de Mediapart pour la soirée. Donc, c'est 4 mois ce soir jusqu'à minuit, profitez-en, pour 19€. Et puis, ça rebondit sur le débat que tu as animé tout à l'heure avec Leïla Chaïd et Charles Anderlin, puisque seront offerts à ceux qui s'abonneront ce soir, donc 4 mois, 19€, le e-book constitué par Mediapart sur la France, Israël et la Palestine. Sophie Vanhish, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On l'a dit, vous êtes historienne, spécialiste de la Révolution française. Quelque part a dû se perdre le livre que je voulais montrer, que vous avez publié à la Fabrique chez Éric Hazan. Oui, je pensais que tu l'apporterais. Révolution et terreur, mais je vais le retrouver. Il y a trop de livres ce soir, donc je voulais le montrer.